انا في كل ما كرهتي دخلتوني انا نسولكم يلا بسم الله ملي كتمشيو تشريو الشامبوان سي كوا لي كريتير دو شوا ديالكم باش كتختاروا ان شامبوان انا بعد شخصيا حسب الحاله اللي عندي اللي هي يعني دهنيات المغار طالع ذهب واش فلاكم زين ولا خايب ما يهمنيش الشكل بقدر ما يهمني الفعاليه يعني الحقيقة. وفي أحيانا كثيرة نقول على أنه عند رخص ونخليه نصه ونمشي وندوس على قلبي ونشتريه غالي على أساس أنه تكون النتيجة هي الغاية, ولكن الفعالية للأسف الشديد ما تكونش بنفس الدرجة. Bah moi, je suis dans une situation assez particulière parce qu'après un accouchement, le corps de la femme récupère. Il est complètement déboussolé. Mes cheveux, après avoir passé 9 mois de beaux, de belles chevelures, j'étais fière de mes cheveux. Aujourd'hui, je sens que j'ai toujours pas récupéré cette qualité. Mais pour ce qui est du shampoing, justement, je fais confiance comme Farhana aux marques reconnues sur le sur le marché au niveau pharmaceutique. Je recherche un shampoing qui va donner de la vitalité aux cheveux. Mais ça marche touche. Ou là, il peut donner de la vitalité pendant une semaine et ensuite ça marche plus. Et en même temps, un shampoing contre les cheveux gras. Mais je les lave tous les jours, donc je laisse pas. Je sais pas. Voilà, c'est-à-dire que le cadre de shampoing. J'ai fait exprès de vous poser la question parce que c'est précisément l'erreur que tout le monde fait. Il y a une différence très importante que les gens ne font jamais. Il y a une différence entre le cuir chevelu et les cheveux. Quand je pars acheter un shampoing, je ne dois jamais acheter un shampoing en fonction de l'état de mes cheveux. Fonction du cuir chevelu. Ceci dit, que si j'ai des cheveux lents et qui sont crépus, qui sont cassants et qui sont ternes, je ne vais pas choisir un shampoing pour cheveux secs. Cassant, terne. Non, je vais choisir un shampoing en fonction de mon cuir chevelu. Ça veut dire que si j'ai un cuir chevelu gras, je vais choisir un shampoing en fonction de cuir chevelu. Et les soins s'achètent en fonction des cheveux. C'est ça la différence. Si j'ai les cheveux crépus, secs et ternes, je ne peux pas avoir un cuir chevelu gras. Si, parce que c'est les longueurs qui sont abîmées. C'est pas le cuir chevelu. C'est deux choses différentes. Parce qu'on a l'épiderme, qui est le cuir chevelu, que je dois traiter. Parce que si j'ai un excès de sébum, la première des choses que je dois faire, c'est traiter mes glandes sébacées. C'est essayer de diminuer ce sébum-là, qui va par la suite peut-être me provoquer une chute de cheveux. C'est ce que je disais au début. Shampoing, les après-shampoings et les masques, ils se choisissent en fonction de les longueurs. Par exemple, quand on voit sur un shampoing, par exemple, écrit « donne de la vitalité aux cheveux, donne de la brillance aux cheveux, ça donne de la vitalité ». Il y a du marketing, c'est tout à fait logique et normal. C'est pour ça qu'on est là pour donner des conseils, parce que c'est normal que sur, par exemple, une personne qui a précisément des cheveux qui sont cassants, qui sont abîmés, dès qu'on va lire « donne de la vitalité », on va aller directement acheter ce shampoing. C'est de la pub, c'est tout à fait logique.